Bonjour, quel est le sujet que vous allez présenter Le document que je vais vous présenter, c'est le sujet numéro 1. Ah bon, je vous invite à passer votre test d'expression orale. Bonne chance pour votre examen. C'est un extrait d'un article qui pose un sujet brûlant. Le travail, c'est le bonheur. Le travail est une partie intégrante de notre vie quotidienne, mais est-ce qu'il représente vraiment le bonheur Personnellement, je pense que le bonheur au travail est un sujet complexe qui dépend de nombreux facteurs. D'une part, le travail apporte des satisfactions et des accomplissements personnels indéniables, mais d'autre part, il pose des défis considérables pour l'équilibre de vie et la santé mentale des employés. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ce phénomène complexe et de partager mes réflexions personnelles à ce sujet. Ainsi, cela m'amène à poser la question suivante. Le travail est-il synonyme de bonheur Par conséquent, je vais organiser mon exposé en deux parties. D'abord, je parlerai des aspects positifs et des sources de bonheur au travail. Ensuite, j'aborderai les inconvénients et les impacts négatifs qu'il peut causer. Et je proposerai également des solutions pour un environnement de travail plus épanouissant. En effet, il est indéniable que le travail peut être une source de bonheur et d'épanouissement personnel. Selon le baromètre du bonheur au travail, 69% des salariés se disent heureux au bureau. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l'année précédente, où 67% des salariés français affirmaient être satisfaits professionnellement, il montre que la majorité des salariés trouvent encore du bonheur dans leur travail. En plus, les relations avec les collègues jouent un rôle crucial dans cette satisfaction. Près de 80% des personnes interrogées déclarent que leurs collègues sont la principale source de leur bonheur au travail. Les interactions sociales, le soutien mutuel et les amitiés formées au travail créent un environnement positif et motivant. Par exemple, dans de nombreuses entreprises, les équipes organisent des activités sociales, des sorties et des événements qui renforcent les liens et améliorent l'ambiance de travail. De plus, 67% des salariés trouvent du bonheur dans les choses qu'ils apprennent au travail. L'apprentissage de nouvelles compétences, les opportunités de développement professionnel et les défis intellectuels sont des sources de satisfaction importantes. Par exemple, un employé qui suit des formations continues pour se perfectionner dans son domaine peut ressentir une grande fierté et un sentiment d'accomplissement. Au contraire, les aspects positifs du travail ne doivent pas nous faire oublier ces nombreux inconvénients. Le baromètre reflète également les conséquences de la crise économique et de la pression accrue sur les employés. Plus de la moitié des salariés ressentent une augmentation de leur charge et de leur rythme de travail. Cette pression peut mener à un épuisement professionnel ou burn-out, réduisant ainsi la satisfaction au travail. En outre, le stress est également un facteur majeur qui gâche la vie professionnelle de nombreux salariés. Selon le baromètre, 30% des salariés déclarent que le stress nuit à leur bonheur au travail. Le stress peut provenir de diverses sources, des délais serrés, des objectifs de performance élevés, des conflits internes ou une insécurité de l'emploi. Par exemple, dans de nombreuses entreprises, les employés doivent jongler avec des charges de travail importantes et des attentes élevées, ce qui peut entraîner un stress chronique et affecter leur bien-être. En prenant un exemple concret, imaginons une entreprise, une entreprise technologique en plein essor. Les employés y apprennent constamment de nouvelles compétences et collaborent avec des collègues passionnés, ce qui crée un environnement de travail stimulant et enrichissant. Cependant, en raison de la forte demande du marché, ils doivent également faire face à des délais serrés et à une charge de travail intense, ce qui génère du stress et peut diminuer leur bonheur au travail. Pour conclure, bien que le travail puisse être une source de bonheur grâce aux opportunités d'apprentissage, et aux relations sociales qu'il offre, il est essentiel de gérer et de réguler les aspects négatifs pour minimiser leurs impacts sur le bien-être des employés. Des mesures telles que la réduction de la charge de travail, la promotion d'un environnement de travail sain et le soutien à la santé mentale des employés peuvent aider à trouver un équilibre. En ce qui me concerne, je pense qu'il est crucial de promouvoir un environnement de travail épanouissant et responsable qui respectent à la fois les besoins des employés et ceux de l'entreprise. Il est de notre devoir de préserver la santé et le bien-être des travailleurs tout en profitant des avantages que le travail peut offrir. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je suis disponible pour le débat. C'est un extrait d'un article qui pose un sujet brûlant. Le travail, c'est le bonheur. Le travail est une partie intégrante de notre vie quotidienne, mais est-ce qu'il représente vraiment le bonheur Personnellement, je pense que le bonheur au travail est un sujet complexe qui dépend de nombreux facteurs. D'une part, le travail apporte des satisfactions et des accomplissements personnels indéniables. Mais d'autre part, il pose des défis considérables pour l'équilibre de vie et la santé mentale des employés. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ce phénomène complexe et de partager mes réflexions personnelles à ce sujet. Ainsi, cela m'amène à poser la question suivante. Le travail est-il synonyme de bonheur Par conséquent, je vais organiser mon exposé en deux parties. D'abord, je parlerai des aspects positifs et des sources de bonheur au travail. Ensuite, J'aborderai les inconvénients et les impacts négatifs qu'il peut causer, et je proposerai également des solutions pour un environnement de travail plus épanouissant. En effet, il est indéniable que le travail peut être une source de bonheur et d'épanouissement personnel. Selon le baromètre du bonheur au travail, 69% des salariés se disent heureux au bureau. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l'année précédente où 67% des salariés français affirmait être satisfait professionnellement, il montre que la majorité des salariés trouvent encore du bonheur dans leur travail. En plus, les relations avec les collègues jouent un rôle crucial dans cette satisfaction. Près de 80% des personnes interrogées déclarent que leurs collègues sont la principale source de leur bonheur au travail. Les interactions sociales, le soutien mutuel et les amitiés formées au travail créent un environnement positif et motivant. Par exemple, dans de nombreuses entreprises, les équipes organisent des activités sociales, des sorties et des événements qui renforcent les liens et améliorent l'ambiance de travail. De plus, 67% des salariés trouvent du bonheur dans les choses qu'ils apprennent au travail. L'apprentissage de nouvelles compétences, les opportunités de développement professionnel et les défis intellectuels sont des sources de satisfaction importantes. Par exemple, un employé qui suit des formations continues pour se perfectionner dans son domaine peut ressentir une grande fierté et un sentiment d'accomplissement. Au contraire, les aspects positifs du travail ne doivent pas nous faire oublier ces nombreux inconvénients. Le baromètre reflète également les conséquences de la crise économique et de la pression accrue sur les employés. Plus de la moitié des salariés ressentent une augmentation de leur charge et de leur rythme de travail. Cette pression peut mener à un épuisement professionnel ou burn-out, réduisant ainsi la satisfaction au travail. En outre, le stress est également un facteur majeur qui gâche la vie professionnelle de nombreux salariés. Selon le baromètre, 30% des salariés déclarent que le stress nuit à leur bonheur au travail. Le stress peut provenir de diverses sources, des délais serrés, des objectifs de performance élevés, des conflits internes ou une insécurité de l'emploi. Par exemple, dans de nombreuses entreprises, les employés doivent jongler avec des charges de travail importantes et des attentes élevées, ce qui peut entraîner un stress chronique et affecter leur bien-être. En prenant un exemple concret, imaginons une entreprise, une entreprise technologique en plein essor. Les employés y apprennent constamment de nouvelles compétences et collaborent avec des collègues passionnés, ce qui crée un environnement de travail stimulant et enrichissant. Cependant, en raison de la forte demande du marché, ils doivent également faire face à des délais serrés et à une charge de travail intense, ce qui génère du stress et peut diminuer leur bonheur au travail. Pour conclure, bien que le travail puisse être une source de bonheur grâce aux opportunités d'apprentissage, et aux relations sociales qu'il offre, il est essentiel de gérer et de réguler les aspects négatifs pour minimiser leurs impacts sur le bien-être des employés. Des mesures telles que la réduction de la charge de travail, la promotion d'un environnement de travail sain et le soutien à la santé mentale des employés peuvent aider à trouver un équilibre. En ce qui me concerne, je pense qu'il est crucial de promouvoir un environnement de travail épanouissant et responsable. Qui respecte à la fois les besoins des employés et ceux de l'entreprise. Il est de notre devoir de préserver la santé et le bien-être des travailleurs tout en profitant des avantages que le travail peut offrir. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je suis disponible pour le débat.